Bon, il est temps de faire un petit point sur l'année, du coup, Ambre. Pourquoi c'est toi qui préside? On en a déjà parlé. C'est ma sœur qui lui a donné les pouvoirs. Ça veut dire qu'Anaïs, elle préfère Cyrielle que toi, Ambre. Par contre, Sylvie, c'est pas un atelier coloriage, donc tu peux revenir avec nous. Le niveau de la vanne, atelier de coloriage. Bon, bah, Cyrielle, on t'écoute, puisque c'est toi qui préside. Bien, alors tout d'abord, merci d'être venue. Oh, super intéressant. Alors, tu nous avais demandé de préparer des questions. J'en ai plein. D'accord, mais je pense qu'il faut mieux se présenter avant, parce qu'il y a des gens de plein de groupes, donc... Pas besoin de me présenter, hein. Alors moi, c'est Cocotte, enfin, Anouk. Bah moi, c'est Malouen, enfin, Mariem. Bah, moi, c'est l'autre. Non, mais je comprends pas. T'es qui, toi? Bah, moi, c'est moi, et elle, bah, c'est l'autre. Ouais, d'accord. Bah moi c'est Anna. Et bah bienvenue Anna. Et non, on n'est pas bienvenue. T'es chiante. Et moi je m'appelle Rose, la future star de cartoon. T'es de la famille de Cyrielle? Je suis sa cousine. C'est intéressant ça. Ça marche en famille maintenant cartoon. Pourquoi ça te pose un problème? Parce que je te rappelle que je suis la sœur d'Anaïs. La présidente avec un grand P. Ok, on va se détendre. Je vous ai fait venir pour parler de l'année et du futur. On comprend rien à ce que tu dis, hein. C'est un bonheur. Ça va être long, parce que j'ai un truc à faire après. Je vous rappelle qu'on est là pour parler de l'avenir de cartoon. Ah bah le passé, il est assez simple. Genre pas assez simple. J'ai pas compris. Non mais cherche pas, c'est les vannes de Tiffen. Bien, alors qu'est-ce qu'on projette pour l'année prochaine? Bah on avait parlé du million d'abonnés... On en est un peu loin. Bah ouais, mais y a plus personne à bord du navire. Bah c'est vrai, hein, qui dirige? Oh, tu commences à me faire chier! On vient de commencer. Heureusement que Tata Huguette est pas là, parce qu'elle aime pas les grands mots. Tata Huguette, la classe. Ouais, parce que par contre, ça se passe comment pour les abonnés là? Parce que. On est à 143, c'est pas beaucoup, hein. On a que 143 abonnés. Bah réagis? Non, mais moi je fais juste la réunion d'aujourd'hui, hein. Non, parce qu'elle est passée où, Anaïs? Alors, elle a beaucoup de travail, genre elle est très 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 occupée. C'est une blague. Ah, mais c'est très intéressant, hein, cette petite sortie. Elle est où? Bah, je viens de te dire, elle est occupée. Avec son copain. Bon, ça, je peux comprendre. Mais 143 abonnés? Non, c'est 143 000 abonnés. 1000? Qui nous regardent? Ah, mais j'ai pas qu'on me voit, moi. Donc tu veux faire vidéo mais tu veux pas qu'on te voit, c'est ça le concept? Bah on filme, on regarde et c'est tout. Ah bah non, moi je veux qu'on me voit aux États-Unis et tout. Bah si tu commençais par être vu au bout du village. Et sinon bilan, tu veux faire quoi comme bilan? Parce qu'il y a un peu eu le Covid. Bah je trouve qu'on a géré quand même, non? Mais c'est quoi cette histoire de bulletin scolaire? Ouais, c'est quoi ça? Bah on s'était dit que ça vous ferait progresser d'avoir un bulletin. Mais un bulletin comme au collège? Bah comme au lycée. Ça veut dire que vous faites un système de redoublement aussi? Passage, redoublement, renvoi. J'adore, franchement, ça va faire une sélection naturelle. C'est nickel. Ah ouais? Et si tu fais partie de la sélection naturelle, tu le prendras comment? Tu te remémores mon famille? Ah oui, c'est vrai. C'est la sœur de l'autre. Donc on va recevoir des bulletins, c'est ça? Ouais. Vous allez voir, il n'y a rien de méchant. Moi. Oh bah oui, non. Est-ce que je passe? Tout le ridicule de la situation. Merci Cyrielle. Est-ce qu'on va reprendre la série Trouble? Bah on va la reprendre, mais pas avec des enfants. Alors déjà, je suis pas une enfant, et un enfant ça peut tuer. Elle est pas un peu folle elle? J'ai une idée, je descends dans la cave avec un couteau grand comme ça. Oh non Rose. Mais Cyrielle, je veux faire ça. Ça y est, on est devenu une garderie. Elle est moche, la sorcière. Elle est intéressante, cette gamine. Bon, la question est la suivante. Qu'est-ce que vous attendez de nous pour l'année prochaine? D'être payée, par exemple. D'accord, mais ça serait pas possible. Ensuite? J'ai une idée. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Une série un petit peu sentimentale. Enfin non, Kirsten, c'est pas le genre, quoi. Attends, j'ai pas fini. L'histoire d'un garçon, un cartoon. Bah oui, mais là, c'est pas trop possible. Soit ils sont trop jeunes, soit il y en a qu'un. Et le 1, ça va pas être possible. Ouais, enfin, je vois mal Joachim jouer ce rôle, hein. Ouais, bah, voire pas du tout, hein. Ah non, moi, je pensais pas à Joachim, hein.
Oh bah, il reste que Oscar, alors c'est pas possible quoi. Alors attention, je ne fais pas la nana. Ah, moi non plus, ça y est. Pas mal ton idée, hein. Moi je pensais plus à Lila. Ah bah oui, oui Lila. En plus, on est à moitié sur un film autobiographique. Parce que c'est vrai, on sait pas en fait. Ah si, tout le monde le sait. Bon, on va faire un premier vote. Qui vote pour une série sentimentale entre Oscar et Lila? Bah, Rose lève la main. On pourra peut-être lui demander avant. Non, en fait, à Carton, on n'a pas souvent l'habitude de demander aux gens. Par contre, si vous nous trouvez un petit surfeur, je veux bien faire la série sentimentale. Tiffany, ça t'a pas échappé qu'on n'était pas une agence de rencontres? Par contre, quand ma soeur faisait des réunions, il y avait toujours à bouffer. Ah, j'ai pas prévu ça. Super réunion, hein. Bravo, sérieux. Et si le Covid recommence? Bah, en même temps, il est pas vraiment fini, hein. Bah oui, mais si encore une vague? La vague, d'où les surfeurs? Par pas le nord. Ok, donc on continue? Ouais, mais t'as pas répondu. Il se passe quoi si encore une vague? Eh bah, on retourne dans la Carson Space. Oh non, on va pas rester enfermé dans l'immeuble, là. Personnellement, j'ai très bien vécu, hein. Bon, je vais vous faire passer une petite feuille, vous allez mettre les commentaires sur ma réunion. Inintéressant, c'était un N ou deux N? Ok. Non mais un commentaire, t'as écrit même pas deux secondes là. Bah nul, c'est pas long à écrire. Non mais, t'es sérieuse là? Bah c'est ce que je pense, hein. Enfin, t'abuses un peu. Bah oui, mais j'écris où là en fait? Vous avez écrit partout. Oh, qui est-ce qui écrit moche là comme ça? C'est toi? Par contre, Tiffany, c'est ni une dictée et c'est ni un exercice de style, donc tu fais passer la feuille. D'accord. Mais t'as mis un commentaire là? Bah non, mais tu me presses là. J'ai adoré ce moment de qualité et de partage. On s'aime. À toi. Bah oui, mais j'ai pas révisé moi. Non mais en fait tu dois écrire ce que tu penses de la réunion ratée de Cériel. Alors, je mets que c'était raté, c'est ça? Non, t'as trouvé que c'était raté? Bah non. Bah tu mets ça. Bah ok, bah moi j'ai trouvé que c'était pas raté. Voilà. Oh bah redresse-toi là, t'écris Oh là là. Mais ta feuille, tu veux pas la mettre derrière ton dos aussi Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça se met comme ça. Oh bon, laisse tomber. C'est de la maltraitance là. Quoi? Ah, y a maltraitance. C'est ma cousine. Ça, je vais le dire à Tata Huguette. Oh, tu me lâches avec Tata Huguette. Belle famille, hein. On a envie de connaître le reste. La réunion est finie.